Allez, on va faire une petite bataille personnalisée rapidement. Donc moi je vais mettre mes Norse contre Vessex. Il y a quoi en face? Bon, on va commencer. On verra bien. On verra ce que ça donne. Pas mal d'infanterie en face aussi. Je pense que mes piquets sont corrects. Il y a pas mal d'infanterie à la hache. Mais très peu j'ai. Oh, ça peut faire. Allez, on va voir ça. Hop, donc ce qu'on retrouve en fait, c'est aussi des différents ordres de placement, les génériques entre guillemets, et les peut-être spécifiques. Ah, c'est marrant celle-là. Elle est très tassée. Ouais, je peux plutôt essayer de... plutôt quelque chose comme ça. C'est que je comprends pas pourquoi lui me met là. Ah, on va dire, je préfère tout ça comme ça. Ouais, on va peut-être partir sur une base comme ça, mais tweaker un petit peu tout. Allez, mettre des lanciers. Alors, on va mettre la cavalerie. Prêt à foncer. On va laisser les deux compés. On va mettre voilà. Plutôt mes mon général au milieu. Hop, on va déplacer. On va peut-être faire quelque chose comme ça là. Hop. Et là on va aller faire tout ça. À votre commandement. Lancier. Au combat. Ouais, petit ligne comme ça. Les bretteurs sont plutôt sur les côtés. J'ai lancé sur les côtés, très bien. J'aime pas trop cette façon. On va juste réorganiser un petit peu les premières à faire un tour. Je vais mettre là, comme ça on a des haches sur le côté, l'ancien là. L'idée c'est de pouvoir abattre les haches dans le dos. Ah. Hop, donc l'ancien hache, l'ancien lourd. Et puis là, des unités pour protéger les flancs. Très bien. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Hop. Oh, les unités sont assez jolies. Ah, c'est un petit lancier classique. Mes haches, des jolies armures, bien brillants. Hop, mes petits lanciers là. Non, ce qu'on peut faire, c'est peut-être le mettre en en milieu de bouclier, vous voyez. Il bouge moins. Vos désirs sont des ordres. Les élus totales. Hop.
Oula. Remuez-vous. Hâtez-vous. En vitesse. Je vais peut-être... Hop. Avec son mois de bouclier, c'est quand même super joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Bon, eux, ils peuvent pas faire de bouclier. Et on peut les mettre en espacé. Voilà, pour l'instant. Et aussi, ils sont... Ouais. Je préfère les garder comme ça pour l'instant. Hop. Ah oui, parce que ils peuvent pas... Ah mais j'ai inversé. Ah, il me manque un lancier. Lancier. Ordre de bataille. Oh, c'est pas très grave, j'ai inversé ici. C'est pas grave. Voilà, et puis la cavalerie qui doit être là-bas. Hop. Plus classique. La belle cavalerie, c'est celle-là. C'est là qui je pense va être assez intéressante. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Ah, petit tour de nos ennemis. Non. Viking, petite cavalerie légère. Des pilleurs. Faites-les disparaître à tout jamais. Pas mal d'haches. Je pense qu'eux ils doivent faire méchant. Ouais, c'est assez costaud cela. Les lanciers. Nous vaincrons. Hop, il y a peut-être un peu trop d'herbe. Puis bon, il y a pas mal de redondance au niveau des unités. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts et de variété sur ces éléments. Bon, après moi personnellement je passe jamais mon temps à regarder mes unités comme ça. Et des frères jumeaux. Ah ouais, mais ils sont même beaucoup plus nombreux que ça en fait. Bon, allez, c'est pas tout ça. On va aller peut-être les asticoter un petit peu. Allez hop. Augmente un petit peu la vitesse. Bon, beaucoup trop vite pour moi maintenant. J'ai du mal à les suivre. On va juste laisser à bonne distance, comme ça leur fait toujours deux unités de moins. Ne les ménagez pas. Verde. Faites trembler la terre. Ne les ménagez pas. Ouais, il les embête un petit peu. J'ai l'impression que j'ai plus d'allonge que lui. Enfin, j'avance un petit peu quand même, peut-être. Le combat nous attend. Au combat. Ennemi, prenez garde. Guerre. C'est parti.
Hop, faut aller dans un petit peu plus par là. Hop. H. Tout est réglé. Ne les ménagez pas. Allez. Vivement le combat. Bien. Oh, faut peut-être laisser un peu derrière. Vivement le combat. Ce sera chose faite. Hop. Voilà. Fuyez, ça vaut mieux. Marchez. Est-ce que j'ai distance? Ne lâchez rien, les gars. 36, tout. Marchez. C'est entendu. Exterminez-les. Hop, on va juste faire un petit coup. Allez. Hop. C'est bien, ça bouge. Hop. Oula. Ça c'était mal géré ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça s'écrase. Allez vas-y ici. On va commencer à enrouler comme ça. Notre général se fait attaquer. Pour la victoire. Le combat nous attend. Hop, on va. Plus de rythme. Attention à la charge aérée. En vitesse, guerrier. Chargez. Allez, hop. Où est-ce qu'ils sont mes... Hop. Hop. Voilà. Voilà, on va essayer de filer un petit coup de main. Hop. Allez. On va essayer de rabattre tout ça. C'est de se débarrasser. Arrêtez-les.
On va essayer de se débarrasser d'eux. Hein. On va mettre un petit coup. Hop. On va essayer de faire une petite charge. Peut-être une charge ici. Hop. Et on va les ramener là-bas. J'ai dû me prendre des... Ouais. Ouais. Hop. 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 Les hommes sont en déroute. Ils vont en retraite. Ah oui, là c'est un peu dur là. Hop, on va essayer d'envoyer des renforts ici. Hop. Est-ce qu'il y a encore des... On va essayer de s'occuper d'eux. Le général ennemi est mort. On va essayer de les laisser là tranquille. Voilà, bon, je pense que ça va vite se terminer. Hop là, voilà, victoire décisive, nickel. Bon, c'est parce qu'il y a aussi quand même... Les lanciers sont très bons, ça aide vraiment à tenir une ligne plutôt de façon assez efficace. Moi j'étais assez déçu globalement des ennemis... Enfin, je pensais que j'allais avoir plus de fil à retordre sur les haches. Mais bon, face à la côte de Miles, ils ont l'air d'avoir un peu de problème en tout cas. Et c'est vrai que quand vous regardez les stats, il y a eu quand même... Enfin, les lanciers ont été plutôt assez efficaces. Et ouais, globalement, ça a bien tombé. Voilà, écoutez, ça vous a donné un petit aperçu d'une bataille. C'était juste pour voilà, montrer un petit peu des unités, parce que c'est toujours aussi ce qui fait le sel de ces jeux. Donc pour conclure sur Total War Saga, le Throne of Britannia, moi j'aime bien, parce que c'est une période justement que je disais qui est un petit peu différente, sur un scope, un univers qui est un peu plus réduit, donc c'est vrai que j'espère que les campagnes sont, j'ai pas fini, je peux pas vous dire, mais en tout cas un peu moins longues aussi, il y a peut-être plus de choses à se faire, à passer, parce qu'il y a plus de provinces à conquérir, peut-être plus d'éléments changeants. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que voilà, il faut, pour le prix, il vaut mieux être intéressé par la période, comme toujours. Et c'est vrai que le contenu peut être perçu comme un petit peu plus léger par rapport à tout avoir plus grand, avec plus de factions, plus d'unités différentes. Là, on est toujours un petit peu entre deux, entre du reskin et du vraiment nouveau. Néanmoins, voilà, moi c'est vrai que je prends du plaisir à revenir sur un Total War en période un peu plus presque médiévale. Et après du Warhammer, c'est vrai que moi ça me fait toujours plaisir de refaire des batailles sans trop de magie, sans enfin en retrouvant des unités qui me parlent un peu plus.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis, questions et commentaires. Pour un let's play, je suis pas forcément certain d'en faire un parce que je suis pas non plus un excellent joueur de Total War. Et c'est vrai que beaucoup d'indécision, beaucoup de temps passé des fois à faire peu de choses. Donc bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis j'aviserai. Voilà, merci tout le monde, ciao.